Alors cette hypothèse, elle est évidente juste du fait de la composition de la société mondiale, de la société marocaine au niveau du genre. Il y a 51% de femmes. Donc je pense que la mixité devrait faire partie naturellement en fait de toutes les instances, qu'elles soient de gouvernance ou de management ou même dans toutes les couches en fait des entreprises. Parce qu'une société est faite de toutes ses composantes. De genre, de style, de géographie, d'ethnie, de couleur, etc. Donc une telle discrimination ne devrait pas exister, en fait. Et donc, bon, puisqu'elle existe aujourd'hui, malheureusement, les chiffres sont têtus. Il y a un certain nombre d'études qui, heureusement, depuis quelques années, travaillent sur la question et qui ressortent de façon extrêmement évidente que les entreprises qui ont pris la peine, en fait, de travailler sur des processus de women empowerment et d'augmentation de la représentativité des femmes dans les instances de gouvernance, qu'ils soient d'ailleurs conseils d'administration, conseils de surveillance, COMEX, CODIR, etc., sont largement plus performants à hauteur de même, je crois, un peu plus de 20%. En termes de performance, quand l'égalité est atteinte. Donc quel meilleur argument que celui-là pour dire à tous les patrons et les patronnes d'entreprises qu'elles doivent vraiment s'atteler à mettre en place des programmes pour profiter de cette diversité, du fait que les hommes et les femmes sont différents par consistance, par nature, socialement, sociologiquement. Et donc le fait d'avoir des points de vue différents et d'avoir des façons de faire différentes ne peuvent qu'améliorer la créativité d'une entreprise, ne peuvent qu'améliorer son rendement, sa rentabilité et donc par delà sa longévité. Alors au sein de Bel El Maghrib, on a une chance qui est incroyable, c'est le statut du personnel. En fait, qui ne fait pas de différence dans les genres, que ça soit d'ailleurs pour l'accès aux postes de responsabilité ou pour les salaires, qui sont une question extrêmement importante. Il y a certains, je crois que les statistiques qui étaient sorties l'année dernière, c'est que des fois on peut avoir des écarts jusqu'à 70-77% entre les hommes et les femmes globalement hein, sur le marché marocain. Mais à Bel El Maghrib, le statut du personnel est le même pour les femmes et les hommes. Donc cette question déjà de différence de salaire n'existe pas et c'est énorme comme avancée, c'est un très bon départ. Aussi, dans l'accès des femmes aux postes de responsabilité, on a eu une très grande avancée ces dernières années. Donc globalement, le taux de féminisation de Bel El Maghrib est assez bas, c'est à peu près 16%, mais c'est dû au nombre de facteurs que vous pouvez comprendre ce taux. Si on inclut la banque, donc El Berit Bank est une filiale à 100% de Bel El Maghrib, je crois qu'on est aux alentours de 30% de taux de féminisation. Le taux dans les postes de responsabilité est plus élevé, il est de 45 ou 46%. Pour les chefs de service, je crois 37, les chefs de division 46. Bon, quand on arrive au taux pour le comité de direction, il est un peu plus bas, il est à 16%, mais il y a une ferme volonté de la direction générale aujourd'hui d'avoir des programmes dédiés pour... en fait, c'est plus des programmes de sensibilisation qui vont nous permettre de dépasser ça. Donc typiquement, des sensibilisations sur les préjugés, sur les femmes, des programmes aussi pour améliorer les conditions de travail dans le sens de flexibilisation, etc. Donc il y a un certain nombre de programmes qui vont démarrer et qui permettront, inch'Allah, d'atteindre des objectifs encore meilleurs que ceux qu'on a atteints aujourd'hui. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.